20 000 tonnes de papier cadeau sont jetées chaque année à Noël en France, ce qui est énorme, et la production de papier consomme beaucoup beaucoup d'eau. Je vais te présenter dans cette vidéo 5 façons différentes d'emballer tes cadeaux d'une manière plus écologique. Parce que mine de rien, on n'y pense pas, mais les emballages cadeaux, enfin, c'est énorme la quantité de papier qu'on utilise, et en plus de ça, il y a quand même pas mal de papier cadeau qui sont pas forcément en papier, mais plus un aspect plastifié. Surtout pour Noël, parce que c'est plus joli, c'est plus pailleté, plus festif, et bah clairement, c'est mauvais quoi. Alors la première façon déjà, c'est de récupérer tout ce qui est pochette qu'on a reçu en cadeau, ou même les petites pochettes cartonnées qu'on a quand on fait nos courses par exemple. Donc moi j'ai notamment cette pochette là qui est en plastique, qui me dure vachement longtemps, elle est quand même assez grande, on peut mettre pas mal de trucs, c'est parfait pour les livres par exemple. Et sinon vous pouvez aussi réutiliser les petites pochettes comme ça en carton, mais il y a le nom Jeff de Bruges en dessous, donc vous pouvez mettre une petite étiquette avec par exemple le nom de la personne, ou juste Joyeux Noël, ou Bon Anniversaire, enfin voilà, ce genre de choses. Pareil, il y a aussi ce style de petite pochette pour des choses plus petites. Donc pour les personnaliser, vous pouvez mettre des petits stickers ou des petits autocollants avec un cœur, un sapin, ou enfin, vraiment juste le nom de la personne, ça suffit, et ça permet de cacher parfois le nom de la marque. La deuxième option, c'est d'utiliser des pochettes en tissu. Donc des fois quand on achète des vêtements ou n'importe quoi sur internet, on reçoit le vêtement dans un sac en tissu, et c'est bien de les garder pour justement pouvoir les réutiliser. Alors sinon vous pouvez les coudre vous-même. Alors j'en ai cousu personnellement, je suis pas du tout couturière, clairement mes coutures c'est vraiment pas ça du tout, mais c'est quand même assez facile, je vous ai fait un petit tuto que je vous mettrai juste après, et aussi le lien du tuto que j'ai suivi je vous le mettrai en barre d'infos. Mais c'est vachement cool parce que vous pouvez choisir la taille de pochon, donc moi j'en ai fait vraiment de différentes tailles. Alors pour être le plus écologique possible, n'achetez pas les tissus, récupérez-en. Moi je sais que j'en ai fait avec des thés d'oreiller que je ne mettais pas, avec du tissu que j'ai récupéré de chez ma grand-mère. Fouinez dans vos placards, dans vos tiroirs, et regardez ce que vous mettez pas. Ou une taie d'oreiller qui a une matière un peu chelou que vous utilisez jamais, franchement ça c'est parfait. Donc voilà celui-ci, qui a une taille assez grande quand même, qui est parfaite pour des grands livres. Ensuite j'en ai fait une énorme pour les sacs à main, c'est parfait. Et c'est une vieille taie d'oreiller que je n'aimais pas du tout la matière. J'en ai fait des plus petites aussi, qui sont vraiment parfaites pour les petits bijoux ou n'importe quoi qui est petit. Une un peu plus grande, donc on voit la différence entre les deux. Et j'ai fait celle-ci aussi qui est parfaite pour les bouteilles, hein. Par exemple si vous achetez une belle bouteille d'alcool pardon, ou ce genre de choses, c'est vraiment cool. La troisième manière, c'est de récupérer des vieux journaux ou vos journaux locaux, et au lieu de les mettre directement dans la benne de recyclage, vous les gardez quand c'est proche de Noël ou proche des anniversaires. Et ça fait un emballage qui est vachement original je trouve. Vous pouvez par exemple prendre la page des jeux, j'adore le rendu, je trouve que c'est top. Pour tout ce qui est emballage de boîtes carrées ou rectangles, c'est assez facile à emballer en plus, donc voilà. J'ai déjà vu des cadeaux entièrement emballés dans des papiers journaux, et sous le sapin, je trouve que ça fait vraiment trop beau. La quatrième manière, c'est d'emballer façon furoshiki, donc c'est une technique de pliage japonais à base de tissu. Ça se démocratise quand même de plus en plus, on en voit assez souvent maintenant. Et il y a beaucoup de personnes qui achètent des tissus, par exemple le motif sapin, enfin motif Noël, et qui découpent des carrés de tissu pour avoir plein de furoshiki et avoir une homogénéisation autour du sapin, c'est assez sympa. Vous pouvez aussi utiliser des foulards. Je sais que chez ma mère, elle a pas mal de foulards de carrés de soie, et c'est trop trop joli de faire ça. Mais sinon, pour vraiment être le plus zéro déchet possible, il ne faut pas acheter de tissu, il faut récupérer encore une fois, vous récupérez des vieux draps, vous récupérez des foulards que vous avez dans votre placard, vous récupérez vraiment le maximum de tissus que vous avez. Moi j'ai récupéré des petits tissus blancs que j'ai teints avec des épluchures, donc ça par exemple c'est teint avec des épluchures d'avocat. C'est pas du tout uniforme, mais je trouve que ça fait son petit charme, et je trouve que c'est assez joli. Out on the beach without freezing, yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling. Donc il y a plusieurs techniques de pliage en fonction de la forme de l'objet, si c'est rectangle, si c'est carré, si c'est rond, etc. Je vous mets en barre d'infos un lien qui décrit vraiment toutes les techniques différentes. C'est super pratique et je trouve que c'est assez joli quand on ajoute par exemple un petit bâton de cannelle ou ce genre de choses. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas time.
Et la cinquième manière, c'est d'utiliser un sac bento. Alors les sacs bento, c'est des sacs qui sont utilisés pour mettre les tupperwares de gamelles quand on mange à l'extérieur par exemple. Et la forme elle est super parce que c'est un sac qu'on peut nouer. Donc voilà, c'est un sac qui a cette forme là. Donc on met ce qu'on veut mettre dedans à l'intérieur. Et ensuite il y a juste à plier, enfin faire un nœud avec les anses. Bon là ça ressemble à rien puisqu'il n'y a rien dedans, mais du coup voilà, je trouve que c'est super joli. Il faut quand même mettre des cadeaux qui sont qui ont une forme assez définie, d'une forme rectangle ou un truc assez imposant, parce que sinon ça ressemble pas à grand chose. Mais je vous mets juste après le tuto pour réussir à faire son petit sac bento. La première étape est d'effectuer un ourlet sur tout le contour du tissu de 80 par 35 cm. Ensuite, retournez le tissu pour qu'il soit sur l'endroit et le replier de 1 tiers. Cousez uniquement les 1 tiers en bas. Prenez le coin au gauche et mettez-le sur le coin droit qui est à l'intérieur du pli, puis cousez cette partie. Ensuite, sur les deux coins qui ne sont pas libres, faites un trait de 8 cm de chaque côté et tracez une droite. Cousez sur cette droite. Vous n'avez plus qu'à le retourner et c'est bon. Découpez deux rectangles de même dimension, celle de votre choix, et cousez un ourlet sur tout le contour. Sur l'envers du tissu, faites une marque à 2 cm et repliez le tissu à cette marque. Ensuite, cousez sur la couture, c'est ce qui va permettre de mettre un ruban. Puis, superposez les deux rectangles endroit contre endroit et cousez les trois côtés ensemble jusqu'au repli. Vous n'avez plus qu'à retourner le pochon et insérer un ruban. Pour ça, je prends une grosse aiguille pour m'aider, mais vous pouvez aussi prendre un capuchon de stylo.